Même sous la pluie, même dans le froid, le vélo est devenu votre jeu préféré. À Paris, c'est course de vitesse, slalom et obstacles à éviter. La piste la plus fréquentée de la capitale, le boulevard Sébastopol enregistre des pics à 20 000 passages par jour. Ça fait peut-être 2 ans que je le prends régulièrement. Et c'est de pis en pis. Je me dis qu'au printemps prochain, ça va être la guerre ici. C'est vrai que c'est un peu étroit, ça pourrait être un peu plus large quand même. En fait. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui respectent les feux rouges. Moi, parfois le premier quand je suis pressé. Mais je ne sais pas vraiment ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça. À proximité, rue de Rivoli, nous avons jeté un coup d'œil au totem, le compteur de passage. Plus 30% de fréquentation en septembre par rapport à l'an passé. Il y a de plus en plus de monde sur tous les axes en vélo, mais ça reste un vrai plaisir. C'est très agréable, la rue Rivoli. Mais du coup, quand il y a beaucoup de monde, c'est un peu bouchonné, on ne peut pas trop doubler. Et il y a pas mal de touristes aussi. Donc parfois, ça peut être un peu compliqué, oui, avec la hausse de fréquentation. Alors attention, parce que maintenant, le bonhomme est rouge. C'est vert, oui, c'est vert. Pour aller au travail, on a l'impression d'être dans un peloton du Tour de France, parce qu'on est vraiment un flot de cyclistes. Je pense que le vrai problème des bouchons, c'est plutôt les feux qui sont très, très, très réguliers. Tous les 50 mètres, tous les 100 mètres, ça c'est peut-être un peu trop. Il faudrait peut-être améliorer ça. Alors pourquoi cette année de tous les records? Le 31 août, les trottinettes en libre service ont été interdites. Depuis, les opérateurs enregistrent des locations multipliées par 2. Cette association, elle, avance une autre explication. Il y a un certain nombre de pistes cyclables qui ont été créées, qui ont été délivrées ces dernières années. Ça progresse cette année. Et plus vous créez des aménagements sécurisés, plus les gens ont envie de prendre le vélo et donc plus le nombre de vélos augmente. Oui, mais jusqu'à quand? Les opérateurs promettent de renforcer leur flotte. La mairie, elle, se dit capable d'accueillir plus de vélos. À Paris, de nouvelles pistes devraient ouvrir avant les JO.